Hello guys, good afternoon and welcome back to my YouTube channel. It's your boy Chimex here again, and on today's episode we are at White Dove Residence. This is the second edition of White Dove. The first time I brought you guys here, it was like an okay apartment, yeah? But right now guys, they have topped everything up. Sorry for the rude interruption, but we have to pay the bills, and it's due to sponsored ads like this that we are able to pay these bills. So today's video is brought to you by Tarea Travels. What is Tarea? Tarea is basically a product in the travel, tourism and hospitality industry. So Tarea Travel is basically here to cater for your flights, your hotel reservations, your airport pickups, your car rentals when you're in Cameroon and you need a car to go around with. Tarea Travel is here to provide that for you, as well as creating the best tourism package for you, easy and quick and on a budget. So basically, Tarea Travels is like a universe for service users as well as service providers, because if you have a hotel or a car you want to rent or a hotel you want to put out there, you can list it on Tarea Travels with no fee. I mean no fee. Hotel, cars, whatever services it is you have to offer, bring it to Tarea Travels. They are there to list it up for you so that service users can have access to your services. Guys, so in 3 weeks' time, Tarea Travels, in partnership with our Chimex, is going to give out a giveaway known as the Tarea Travel Experience, whereby a subscriber gets to win a weekend getaway to a specific location courtesy of Tarea Travels. So guys, to be part of this weekend getaway, you need to go to Tarea.com and create a profile for yourself. I'll be creating a specific video with my partner from Tarea to give you guys the guidelines on how exactly to win this giveaway. And after that video, we're going to do a live session where we get to pick the winner from live. No back, everything done live online. So yep guys, that's it about Tarea Travel Experience. Do not forget the name Tarea Travels. So guys, without much talking, I know I've taken so much of your time, I'm sorry guys, let's dive into the business of the day. Peace. Ici c'est le salon, c'est-à-dire c'est le séjour pour l'appartement de deux chambres, pour l'appartement de deux chambres, salon, trois douches. Ici c'est le séjour. Deux chambres, trois douches. C'est-à-dire chaque chambre a une douche à l'intérieur avec la cabine et une douche visiteur dont un visiteur peut aller sans toutefois se rendre dans les chambres. Ici c'est la grande terrasse pour l'appartement. Guys, this is really, really big. Tu peux faire même un anniversaire, un mariage. Exactement. Ici, c'est un appartement où lorsque la famille quitte l'étranger, ils arrivent ici. Ils ont besoin de recevoir la famille pour les accueillir et pour dire au revoir et pour faire l'anniversaire des enfants. Ils peuvent utiliser tout l'espace. Wow, this is really big. Come check it out, guys. Alors ici, c'est l'allée, le hall pour se diriger dans les différentes pièces. Comme je disais tantôt, ici, c'est une douche. Okay. Ici c'est une douche visiteur. Nous avons la cuisine. Okay. Ici nous avons la cuisine. Oh, wow. Nous avons la cuisine. Elle est complète. Here, everything necessary. Freezer plus fridge and all that. This is a really, really big kitchen. Et là, nous avons une terrasse pour la cuisine. Nous avons une terrasse pour la cuisine. Ça, c'est une terrasse pour la cuisine. Bon, ici, c'est les pièces plus essentielles encore. Ici, nous avons la chambre principale, c'est-à-dire la chambre des parents. Ok. This is nice, guys. Like, just take a look around. This is really amazing. Ici, c'est la douche de la chambre principale. C'est la douche de la chambre principale. Ici, c'est la cabine. Okay. C'est la cabine. Et le dispositif pour le
Savon liquide pour lave-main. Ici, c'est la deuxième chambre. La chambre des enfants. Ici, c'est la deuxième chambre. Ça, c'est la chambre pour les enfants. Oui, ça, c'est la chambre des enfants. C'est joli. Tu as fait tout ça au Cameroun, la oui, oui. De Ben. En fait, il faut noter que l'architecture de la maison a été faite par une entreprise au nom de Nine Engineering and Design, et jusqu'au suivi à la maîtrise de, jusqu'à l'exécution du projet, jusqu'à la remise des clés. Ce qui fait que, étant donné que c'est une entreprise complète, ils ont profité de toute la main d'œuvre que nous avons sur pied pour pouvoir fabriquer tous les lits sur place. Rien n'est importé ici, dans cette pièce. Si on, pouvait pas, si on peut parler de ce qui est importé, on peut parler des luminaires. Mais le lit est fait sur place. Tout autre, c'est local. Okay. So everything was made here. Everything was made in Douala, Cameroon. Nothing was imported except like maybe the lights and all that, but everything concerning this building was done by a Cameroonian. I'll follow up on that. I'll bring you guys the engineer who designed this house, and to from start to finish, the journey and everything you need to know, and maybe hire his services for your building project. So let's keep touring the place and see the toilet for the kids. Ici, c'est la deuxième toilette. La toilette est pour la chambre des enfants. Okay. Aussi avec sa cabine. Aussi avec sa cabine. Ok. Oui. Alright. So. Monsieur Seves, le moment que tous mes subscribers, tout everybody that is viewing me, yes, demande le prix. Le prix de cet appartement, c'est comment? Ok. Le prix pour l'appartement, c'est 45 000 la nuitée. Ça, c'est pour des personnes qui sont là pour un jour. Ok. Mais un à deux ou trois jours, je suis à 45 000 francs la nuitée, y compris tout charge. Ok. Maintenant, pour des longs séjours, à partir d'une semaine, okay, les prix sont revus à 40 000 francs. Et à partir de 15 jours, c'est revu à 35 000 francs. Et jusqu'à des forfaits mensuels. Puisque pour des clients qui sont là pour un mois, vous convenez avec moi que je ne peux pas leur laisser l'appartement à 45 000 la nuitée. Oui. Ça veut dire que pour des longs séjours, les prix sont négociables. Okay. Les prix sont négociables. All right, guys. So you heard it from the man himself. For a day, 45,000. That's for 1, 2, 3 days. For a week, 40,000 francs. That's for a week. Pour une semaine. Oui, pour une semaine, c'est déjà à partir de 40 000 francs. Okay. Y compris tout charge. And from 15 days, 35,000. 35,000. Et à partir de un mois. Oui. C'est un peu négociable. Oui. So, qui se négocie. Oui. Exactly. So I don't know. This is really, really affordable for me. I think this is really affordable because the la beauté, le standing et tout ça pour 45 000, c'est très très affordable. Ok. Donc, merci. On peut montrer la studio. Oui. Maintenant c'est la période de la studio. Let's go check out the studio, guys. One room, one living room. Ok. Donc nous sommes où maintenant? Ici nous sommes dans l'un des studios. Studio 203. Studio 203. Okay. This is a studio, one bedroom, one living room. This is. Ici c'est la chambre principale. Okay. Ça là c'est combien de chambres? Ça c'est une chambre, combien de douches? How many douches? How many toilets? Ça c'est un studio qui comporte un salon avec une terrasse, une douche visiteur qui n'a rien à y voir avec la chambre et une douche avec cabine dans la chambre principale même. Okay. Avec une chambre avec sa terrasse dont nous allons visiter tout à l'heure. Ok. Wow. Donc ici c'est la chambre dont je vous parlais. Ok. Ici c'est la chambre dont je vous parlais. So here we have the balcony. The balcony for the master bedroom. You can come out here, have a view of the entire neighborhood, sip your coffee early in the morning, and just feel Douala in Amor. Yeah. This
Si nous continuons avec les différentes pièces que constitue le studio, ici c'est la toilette visiteur. Ok. Avec le même dispositif, ça c'est le cabine. This is the visitor's toilet. Ok. Donc ici là, c'est votre cuisinière. One thing I love about it on this place is the fact that they have these doors which keep in the AC together within inside the parlor. Yes. Like it keeps the AC within the parlor. It doesn't go out. Like it's really, this was really thoughtful of you guys. Pour mettre la porte là-bas pour concentrer la clim. Exactement, voilà. Donc ici maintenant c'est le séjour. Une salle à manger complète. Okay. Maintenant, il faut noter que chez nous, ici à White Dove, dans l'immeuble entièrement, l'immeuble est entièrement insonorisé. Pourquoi l'immeuble est entièrement insonorisé? Parce que vu que la position géographique, étant donné que White Dove se trouve au cœur de la ville de Douala, en centre-ville, avec proximité zéro pas de la route, nous avions les bruits, les nuisances sonores des motos, des véhicules qui viennent de part et d'autre. Or, pour cela, pour rendre nos clients dans un cadre évidemment bien pensé pour eux, comme vous le constatez, nous avions pensé à mettre tous les baies insonorisées, c'est-à-dire double vitrage. Ceci pour éviter la transmission du son venant de l'extérieur vers l'intérieur, pour que vous ayez, les clients ont un sommeil bien paisible, pour éviter les nuisances sonores. Donc, quand je vous parlais tantôt de la proximité de la résidence par rapport à la route, vous-même, vous le constatez. Vous constatez. Si nous ne mettons pas les portes pareilles, il sera difficile de vivre. Il sera difficile vraiment de vivre. Raison pour laquelle nous avions sollicité les portes insonorisées, double vitrage, en gardant toute l'architecture de la maison, bien sûr. Right. Now, Monsieur Ceres, the price. OK. Ici, concernant le studio, comme je vous ai présenté, tous les studios pareils, 203 où nous sommes, c'est à 35 000 francs la nuitée. 35 000 francs la nuitée, maintenant, la même procédure avec les appartements, c'est-à-dire dans les 1 à 2 ou 3 jours, nous sommes à 35 000 francs. Mais à partir de 3 jours, pour des longs séjours, allant à une semaine, okay. Là, nous avions pour mettre le studio à 30 000 francs. À partir de 10 jours, 15 jours, nous revenons à 25 000 francs. Et pour des forfaits. Pour des forfaits mensuels, nous revenons à 750 000 francs et nous pouvons encore voir avec le prix. Donc tout dépend du séjour dont le client nous présente et nous donne sa période. Et là, nous pouvons faire une réduction des prix vis-à-vis de tous les clients. C'est ça. Apart from the two bedrooms and one bedroom apartment that they offer, they also offer the service of a single room. So right now we are at chambre number one and let's get inside and see what he has to offer. Come with me. Wow, guys, this is amazing. Come check it out yourself. This is like crazy. Check out the mattress. Like, you have a phone, you have a flat screen TV, a wardrobe, AC, and this huge mirror that we have over here. Like, this mirror is huge, man. And you know what they say about mirrors? Mirror makes your environment looks bigger. So I really love the fact that it's put in this. And so this is chambre numéro 2. As you can see, what I love about this one is this finishing. It gives you some sort of an African touch. So, yeah, let's check it out. Okay, Monsieur Ceres. Yes. Quand les gens me demandent why do ça situé où, quand je dis Bepanda, les gens fouillent. Pensez que Bepanda c'est un quartier qui a beaucoup de nanga, beaucoup la sécurité là-bas est un peu relax et tout ça. Donc c'est un quartier dangereux, c'est ça que les gens pensent. Mm-hmm. Mais pour moi, je sais que White Dove ce n'est pas dans Bepanda même comme ça. C'est juste ici à côté de Bonamoussadi. Mais la meilleure problème c'est la sécurité.
Donc, qu'est-ce que White Dove va mettre en place pour assurer que les clients vont bien sécuriser? D'accord. Ok, bon, merci bien pour cette question qui est une question très pertinente. Vous savez, généralement, les gens ont une mauvaise conception du quartier Bepanda. Ça, c'est l'antiquité, si je peux le dire. C'est le passé. Avant, c'était un quartier bizarre. Ouais, ouais. Mais de nos jours, nous nous rendons compte que, vu l'extension de la ville ne fait que s'agrandir de gauche à droite et les mentalités qui changent de jour au lendemain, Wydorf a décidé de s'installer ici à Bepanda. Non seulement pourquoi, parce que beaucoup qui ont une mauvaise conception du quartier Bepanda passeront toujours par ce quartier pour aller à Bounamou Sadi ou quittons de ce quartier pour aller à Akwa. Un peu, c'est un quartier qui est situé au centre-ville de Douala. Au centre-ville de Douala. Et maintenant, nous voulons dire que ce n'est pas au niveau, à ce niveau où les gens pensent. Wydorf est situé plus précisément en face de la station Bokom. Oui. En face de la station Bokom, à zéro pas du goudron. Et maintenant, est à 100 francs de Bounamou Sadi. À côté, non loin, il y a l'agence Trésor Voyage là. Et vous vous rendez compte que non seulement Wydorf est sur la position géographique, est au quartier Bepanda, mais donne sur deux routes principales bien aménagées. C'est-à-dire une route principale qui est la rue en pavé et une seconde rue qui part vers Carrefour Tonnerre. Et maintenant, il faudrait faire comprendre aux gens que de nos jours, vous allez vous rendre compte que si on parle des situations dans la ville de Douala, vous allez vous rendre compte que vous allez entendre qu'il y a eu des dégâts dans plusieurs autres quartiers, mais quelques rares fois dans Bepanda. Parce que cette mentalité est en train de disparaître. Cette mentalité est en train de faire partie. Et maintenant, vous voyez, lorsque nous nous installons à Bepanda, nous prenons en compte d'abord, premièrement, pour ne pas dire le risque zéro, une sécurité au niveau même de la résidence. Au niveau même de la résidence, nous avions une seule entrée. Étant donné que l'immeuble donne sur deux rues, bien évidemment, mais une autre rue qui est entièrement indépendante. Les exploitations là-bas où il y a la cave, où il y a un salon de coiffure qui est en train de s'installer là, c'est entièrement indépendant de la résidence. L'entrée de la résidence est de l'autre côté. Et maintenant, lorsque vous vous approchez au niveau de la résidence, vous avez là une société de gardiennage que nous avons mis sur pied. Donc vous vous présentez, on prend votre CNI, on part déposer à l'accueil. Et à l'accueil, on examine tout, on vous identifie, on valide une seule porte d'entrée que nous avions. Que ce soit la sortie ou l'entrée ou la sortie, nous avions une entrée. Et cette entrée n'est pas... Nous n'utilisons pas les clés. Comme vous voyez partout, les gens vont utiliser les clés. Nous avions une gâche électrique. Une gâche électrique qui est commandée depuis la réception. La réception, celle qui est à la réception, avec toute la sécurité qu'elle a, les antivols de gauche à droite, c'est après examination de votre carte ou après avoir appelé le client pour savoir si est-ce que vous pouvez rendre visite au client que nous validons sur cette gâche électrique et la porte s'ouvre. Maintenant, lorsque vous finissez de rendre visite à nos clients, vous voulez sortir. Nous, avec nos systèmes, les caméras que nous avons mis partout, dans les entrées et les sorties, mais pas dans les maisons, pas dans les pièces. Lorsque vous êtes en train de descendre, nous vous voyons avant. Avant qu'on arrive à l'accueil, nous avions déjà une idée où si vous êtes en train de partir ou pas. Et directement, nous appelons dans votre appartement pour savoir, pour demander au client, est-ce que votre invité qui était là tout à l'heure peut partir? Ou est-ce que vous avez encore affaire? Ou peut-être vous ne vous rendez pas compte que la personne est en train de partir. Et si vous dites non, étant donné que personne ne viendra vous bloquer à la porte parce que la porte est... et se ferme automatiquement, c'est électrique. Alors nous bloquons encore étant à la réception et nous appelons, c'est lorsque le client valide et que vous sortez. Et il faut noter que chez nous, vous pouvez faire un mois, deux mois à Wydorf sans que personne ne se rende compte que vous êtes à Wydorf. Parce que lorsque vous entrez chez nous, vous garez vos véhicules dans nos parkings, alors vous vous dirigez dans votre appartement sans toutefois avoir un contact avec l'environnement ou avec le quartier ou avec qui que ce soit. Vous vous dirigez dans votre appartement, vous redescendez, vous prenez votre véhicule et vous vous dirigez en ville. Si vous n'avez pas de véhicule, nous pouvons mettre à votre disposition un véhicule en location que vous allez utiliser durant votre séjour à Wydorf. Donc, pour dire vraiment, la sécurité ici, c'est détail. C'est que d'aucuns pouvons témoigner parce que depuis que Wydorf est sur pied dans ce quartier Bepanda, aucun de mes clients ou les visiteurs, personne ne s'est encore plaint jusqu'aujourd'hui au niveau de la sécurité. Donc, ce qui fait un plus
à notre position géographique dans la ville de Douala. Aussi, vous faites le airport pick-up, aéroport. Si, oui. Lorsque nos clients ont réservé bien avant, alors ils nous préviennent le jour qu'ils vont arriver et l'heure, et nous envoyons une voiture au niveau de l'aéroport, vous recevoir et vous transporter jusqu'à l'appartement même. D'accord. Jusqu'à l'appartement même. Il suffit que vous validez votre réservation avant d'arriver, avant le jour dit. Et tout sera mis sur pied. Ok, so you've heard from the manager himself. This place is top, top security. Forget about the quartier Bepanda. That is like ancient memories. No, nothing can happen to you while you are here at Wydell. The neighborhood is vibrant. It is still very, very, like, really coming up. You have no fears about whatsoever, agresseur ou n'importe quoi, nothing. So yeah, you are really, really secured. You are just 100 francs from Bonamusadi and just like 150 francs to Aqua. So you are in the middle of all the action, but really secured. You can have your peace, the no noise whatsoever. So yeah, that's why do for us, and hope you enjoyed this episode. Please, if you did, give it a thumbs up and don't forget to subscribe. So guys, this is your boy Chimex. See you guys on the next episode, and I'm out. Peace.